N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, vous savez que le Loup de la Street est un blogueur qui donne ses points de vue sur la vie des artistes, des influenceurs, des chroniqueurs et même les rappeurs, entre autres. Donc là, vous avez un petit pâté de canard. Regardez-moi ça. Pim, pam, pam, poum. Vous avez une petite boisson aussi qui est juste là. Vous avez aussi de la terrine de sanglier. Et vous avez des petites mini pizzas. Ça, tout le monde connaît, les bébés. Donc, vraiment, cet apéro box qui va vous coûter 1€, les bébés. Et vous avez tous les bébés. C'est un site qui existe depuis 3 ans, les bébés. Donc, n'hésitez pas, les bébés, à tester cet apéro box qui va vous coûter, pardon, les bébés, seulement 1€. Et vous allez kiffer en famille avec. Des produits du terroir pour 1€, je sais pas ce que tu peux vendre. En plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas un produit du terroir pour 1€, c'est qu'il y en a plusieurs. Alors, à moins que tu vendes des couilles de rhinocéros fourrées à l'herbe qu'il y a au parc de la Courneuve, c'est-à-dire des produits gratuits, je vois pas ce que tu peux vendre pour 1€. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les produits du terroir, dans la magnifique box pour 1€? On a une canette de bière en aluminium, on dirait la canette que les acteurs américains donnent aux acteurs clochards dans les films à Brooklyn. Hey oh Brian, t'aurais pas 25 cents? Voilà, la canette. Tu sais même pas c'est quoi la marque. Tu sais pas s'il y a du AdBlue dedans, du liquide de frein, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et la boîte de pizza qui existe depuis 20 ans, fissurée, craquée. Et t'oses nous dire vraiment, n'hésitez pas les bébés, hein. Hein les bébés. Hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas les bébés. Oh, vraiment cette box magnifique pour 1€, l'apéro les bébés, mais t'es complètement taré les bébés. Tu crois que t'es terminé? Non, 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 ça c'est l'amuse-bouche, toi. Toi tu vends des faux amuse-bouches, moi je suis en train de te faire un vrai amuse-bouche. La terminaison elle arrive tout de suite, là, bouge pas ma gueule. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre, tes bébés, dans ta box? Il y avait du pâté de canard. Du pâté de canard, des produits du terroir, des produits du monde entier. Pim pam 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 poum les bébés. Oh. Eh frérot, ton pâté de canard, même un berger allemand abandonné à la SPA depuis 11 mois qui trouve pas de famille, qui est triste dans sa tête mesquine, on lui souhaite de trouver une famille, même à lui je lui donne pas ton pâté de canard. Ça te va comme ça ou pas? Et après les bébés, qu'est-ce que tu nous dis? N'hésitez pas à commander, c'est un site qui existe depuis 3 ans. Sale bâtard. Qu'est-ce que t'es un bâtard toi? Le mec, on dirait qu'il t'apparaissait d'une boulangerie, d'un artisan, tu sais, de père en fils depuis 1912. Pascal, le boulanger? Ouais, je le connais super. Il fait une baguette extraordinaire. Vraiment, n'hésitez pas à y aller. Vraiment, il moule le pain, il moule la farine, il moule le blé. Il fait tout soi-même. Il fait ça avec l'amour de métier que son père lui a transmis, de son père, de son grand-père, dans le Vaucluse, à côté de l'arbre, au fond à droite, à côté du noisetier. Vraiment, c'est des gens sympas. Voilà, on dirait que tu nous parlais de ça. Allez, casse-toi de là, va faire un brushing à ta tante avec ta vieille société qui existe depuis 3 ans, qui vend des pâtés de canard. Même tu ramènes le canouche dans Pierre Richard, là, ragout toutou. Le ragoût de mon toutou. Même lui, il la mange pas la pâtée. Pour ceux qui n'ont pas la référence, ragoût toutou, c'est dans un film avec Pierre Richard. Je vais vous mettre l'extrait juste après. Pierre Richard, dans le film, il fait la pub avec un caniche pour du ragoût. Je te promets, Pierre Richard, il est tellement fort. Grand hommage à Pierre Richard. Salut Pierre. Pierre Richard. Je sais pas si tu t'appelles Pierre ou Richard. En tout cas, j'ai un grand respect pour vous. C'est pour ça que je vous vois. Grand acteur français, Pierre Richard. Merci de nous avoir fait notre jeunesse, nous avoir fait rire, et nous avoir encore fait rire en 2022. Vraiment, un grand merci à vous, monsieur Pierre Richard. Parce que toutes les merdes qu'on se tape en ce moment, oh, j'ai envie de vous dire, c'est pas coton. Hein. Oh, c'est quand même fort de café ce qu'on nous envoie dans la gueule. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Comme on dit, faut vivre avec son temps. Ragout toutou, le ragout de mon toutou. La famille, petite astuce pour les garçons sur Snapchat. Quand vous trouvez une fille ravissante, radieuse, élégante, charmante sur une story, que vous êtes attiré vers elle. Petit conseil, hein. Essayez le filtre qu'elle a mis dans sa story sur vous-même. Dans 95% des cas, même si vous êtes hétéro et que vous êtes un homme, vous allez vous trouver bonne. Donc un conseil, ça vous fera réfléchir à deux fois. Et c'est une petite astuce que je voulais partager avec vous, qui est totalement gratuite et qui fait plaisir. Go, go, go!
Ah voilà, respect à nos darons, voilà. Maintenant toi tu fais la route en golf, en classe A, en RS6, en je sais pas quoi. Et là t'es fatigué, tu fais 2 heures de route, tu t'arrêtes pas, y a pas un hôtel là, je suis mort. Oh là les gars, faut arrêter les conneries. Hein. Oh là faut arrêter. Hein. Putain, les darons, sa mère. Ils ont souffert toute leur vie, ils sont jamais plaints. Des hommes, des vrais bonhommes. Oh là, prenez soin de leur famille. Je t'ai dit, le daron, il dormait à côté de la voiture, à côté de la roue. Oh là, comme un dog argentin. Sa mère, parce qu'il savait que dans les aires de repos ça volait. Il mettait sa famille à l'abri dans la voiture, il dit enfermez-vous devant et lui il dormait à côté, comme un redno, sa mère, à côté de la roue. Nous, sa mère, on est là, putain, il n'y a plus d'AD Blue, comment je vais faire pour démarrer dans 300 km? Merde, mais ça me fait chier. Putain, les gars, venez, on se ressaisit, voilà. Après, je sais, hein, on va me dire, oui, mais tu sais, c'est pas la même époque. Mais justement, l'époque avant, elle était plus dure. C'était moins évident pour nos parents. Donc, comment ça fait que nos parents ils sont plus résistants que nous, alors que nous on a 1000 fois plus de confort que eux, que ce soit le confort à la maison, que ce soit le confort dans la vie au quotidien, que ce soit dans les tâches ménagères, que ce soit dans tout, on a 20 fois plus de confort que nos parents. Pourquoi nous on est moins solides physiquement et psychologiquement que nos parents? Bah je vais vous dire pourquoi. Bah, parce qu'ils ont connu la vraie merde et que ça les a forgés, c'est tout. Nous on n'a pas connu la vraie merde comme ils l'ont connu, c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Je dis la vérité, hein. Et même les meufs, hein, c'est pareil, hein. Et tu vois, au lieu de finir à 17h, elle va finir à 17h45. Elle va se dire, mais putain, mais j'en peux plus du boulot. Je suis au beurre du burn-out. Calme-toi, ma soeur. Voilà, t'as une classe A, une carte première. T'as une télé chez toi. Respire, ça va aller. Tranquillou, j'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. Moi j'ai dormi comme un haribo. Salam la mif. La mif, je vous casse pas qu'aujourd'hui c'est un jour assez particulier pour moi. Vous le voyez pas à travers la lunette bye-bye, mais j'ai quand même la petite larme à l'œil. Je fais le malin, mais je suis assez ému. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de quelqu'un qui me tient vraiment à cœur. Et je voudrais qu'on s'entende pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, parce que c'est une personne qui m'a beaucoup rendu service, mais qui vous a aussi rendu service. Je parle bien sûr de la C3. La C3 aujourd'hui, qui a dépassé les 250 000 km. Donc je pense hein, que c'est vraiment la moindre des choses de lui souhaiter un bon anniversaire pour service rendu à la nation. Voilà la famille, merci d'avoir souhaité un joyeux anniversaire à C3. On va pouvoir maintenant exterminer cet imposteur. En tout cas, je lui fais une petite bise. Qu'est-ce que je l'aime, ma C3. Un jour, cette C3 là sera vendue aux enchères 2 millions d'euros et tous les fonds parviendront à une association. C'est beau, non? C'est beau de vivre. Vivre, c'est rêver. Rêver, c'est vivre. Oh putain, je suis ému. Mais la famille, moi, je m'adresse aux gens sur Internet qui ont souscrit à cet abonnement-là. Là. Comment vous pouvez croire que pour 1 euro, vous allez avoir des carambars, des Haribo, des fraises Tagada, tout ça dans une boîte en carton, magnifique box et tout. Déjà, juste le carton, il coûte plus d'un euro. Déjà, pour commencer. Déjà, comment vous faites pour croire à cette grosse arnaque de merde? Je me le demande. Mais surtout, comment vous faites pour croire un mec qui s'adresse à vous de cette manière-là? Regardez.